Boutiques et magasins fermés, circulation paralysée, des pneus brûlés, jets de pierres contre des jets de gaz lacrymogènes entre gendarmes et jeunes en colère. Voilà, entre autres, la réalité de ce lundi tout au long de la route Le Prince. C'est suite à cette décision du tribunal de première instance de Dixing qui s'est déclaré incompétent sur l'affaire opposant celle d'Alain Diallo Sidya Touré à la direction générale du patrimoine bâti public. À 2h du matin, les forces de l'ordre sont rentrées à Bambeto, Kosa Hamdallah, pour ramasser les gens. À l'instant où je vous parle même, il y a de ces gendarmes qui rentrent dans les quartiers en train de gazer les gens avec des choses, arrêter les gens arbitrairement pour intimider le peuple guinéen. Alors qu'aucune ethnie ne peut chasser l'autre, la Guinée nous appartient tous. Il n'y a pas Soussou, il n'y a pas Peul, ni Guersé, ni Malinké. Il faut qu'on se donne les mains, qu'on soit fort. La Guinée nous appartient. C'est dans la paix. Vive la Guinée! Ces militants trouvés à la devanture du domicile de Sellou Dalein disent être déterminés et comptent aller jusqu'au bout. Ils nous ont déjà montré, nous maintenant, nous ne sommes pas Guinéens. Nous, on respecte les justices avec les solidarités. Et on va montrer les Guinéens avec Colonel Doumbia. On ne perd pas rien. Nous sommes prêts pour le combat aussi, jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi ils sont en train de venir pour chasser nos votes, présents dans la votre maison? Nous sommes prêts pour le combat jusqu'à nouvel ordre. Sur place, cette ONG de défense des droits de l'homme tente en vain de prôner la paix et à sensibiliser ces jeunes en colère. Un appel au respect des droits de l'homme. Que ce soit le côté des forces de l'ordre ou les hommes politiques, il faudrait que chacun puisse respecter sa limite pour ne pas qu'il y ait de débordements. Sellou Dalein Diallo et Sidya Touré ont quitté leur domicile de Dixing et de la Minière. Ils comptent tout de même continuer à mener le combat pour être rétablis dans leurs droits. Ils demandent à leurs militants et sympathisants de rester calme, serein et de ne pas céder à la provocation.